Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur A Plague Tale Requiem et donc on est sur le chapitre numéro 16, le roi Hugo. Donc je vais le lancer, hop, c'est parti. Et moi qui te pensais invincible. C'est pas le cas. J'ai parfois tendance à l'oublier. Lucas, je veux te dire que c'est un honneur de t'avoir à mes côtés. Tu es la personne la plus fiable, loyale et gentille que j'ai connue en ce monde. J'en sais rien, mais vous êtes ma famille. Vous dites tout ça parce que vous pensez que c'est la fin? Vous avez encore plein d'années devant vous, alors restez en vie. C'est un ordre, compris? Il doit vivre. Il mérite tellement mieux que ce qui lui arrive. Maintenant, fais attention à toi. Allez, on est parti. On va essayer de trouver le petit. Là, du coup, on arrive à trouver son frère. Il ressemble à une vraie armée. C'est le cas. Pourtant, Hugo est devenu leur chef. Ça a toujours été son jeu préféré. T'as fait quête. Eh ben, c'est un rêve qui se réalise. Ça vide, hein. Allez, hop. Là, mettons-nous au travail. Pas améliorer quelque chose. À chaque fois qu'il y a un battement, là j'ai des. Hey, regardez qui s'en est sorti. C'est la première fleur qui m'a offerte. Juste avant qu'on te rencontre. Je me sens vieux maintenant. Cette fleur va sûrement lui ramener le sourire. Oui. Allez. Plus qu'un avec la macula. On doit vraiment plonger là-dedans. Je suis désolée. C'est pas grave. Je me suis assez amusée, j'imagine. Et mon bateau est fichu, de toute façon. Dis-moi seulement si on a une chance. Si on arrive jusqu'à lui, peut-être. Mais ce sera une longue plongée. Écoutez, j'y vais. C'est à moi de... Amicia, nous avons besoin de tout ce qu'il relie à ce monde. Et nous sommes tous liés à lui. Alors. Alors on plonge. Elle est cassée? Non, non, c'est juste... Est-ce que ça va? Sophia est blessée! J'essaie de vous rejoindre! Bouge pas!
l'avais dit, je suis pas faite pour la terre ferme. Quant aux atterrissages, c'est encore pire. Pardon. Ne t'excuse pas. Tu nous as tellement aidés. Lucas et moi, on avait déjà fait ça avant. Plus ou moins. Il n'y aura pas de marin à la fin de cette histoire. C'est triste. Va. Et reviens avec lui. On se reverra, toi et moi. Continue. Hugo est tout prêt. Trouvez Lucas d'abord. C'est vraiment toi. Amicia, je suis là. Hey. Et Sophia? Elle ne peut plus marcher. Il n'y a plus que nous deux maintenant. On peut y arriver. Je vois le camp de mur toujours debout en contrebas. Les rats qui tournent. On se rejoint là-bas. Oui, mais attends, attends. À la moindre erreur. Je sais. Mais j'ai compté et ils ont toujours le même rythme. On peut sauter tout entre deux vagues. D'accord. D'accord. Quand tu veux. Ne t'inquiète pas. Je serai derrière toi. Je pense. Ils approchent. Allez, allez-y. Vrai.
arrive. Il est là, Lucas. Il est... Regarde-toi. Caché sous une couverture. Comme quand t'étais triste. La nébula se condense autour de lui. Ça doit être terrifiant là-dedans. Tu sais ce qu'on va y trouver ? Difficile à dire. Essaie d'imaginer un creuset géant où la macula, Hugo et la nébula ne font qu'un. Les visions d'un enfant trahi qui s'évapore dans l'atmosphère et change le monde. C'est ça le dernier seuil. Les lois de la nature n'ont plus cours. Alors on doit le traverser aussi. Pour atteindre ton frère, oui. D'accord. Respire un grand coup. Chapitre. Lucas. 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 Seigneur. Lucas. Où es-tu? J'ai la tête qui tourne. Ta priorité, c'est Hugo. Trouve-le. Hugo, c'est moi. Je suis vivante. Je suis là. Où es-tu? Qu'est-ce que c'est? Non. Un phénix ? Ici ? Je le dirige. Encore un autre ? Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? C'est quoi cet endroit ? Les phénix, ils signifiaient quelque chose. Ils montraient la voie. Sûrement à lui. Est-ce que je perds la tête? Hugo, c'est toi qui fais ça? Les lois de la nature n'ont plus cours. Oui, raccroche-toi à ça. Est-ce que c'est toi qui les as mis là, Hugo? Non. C'est toi. Hugo ! Oh, merci Seigneur ! Où es-tu ? Je suis là. Tout proche. Je ne te vois pas ! Parce que tu regardes encore en arrière. Il n'y a que ces oiseaux ici ! Ils montrent la voie, n'est-ce pas ? On a essayé cette voie, Amicia. Et c'était un mensonge. Pas entièrement. Il y avait une part de vérité. C'était un mensonge. Et ça a apporté la mort. Ce sont les gens qui l'ont apporté ! Hugo ! Je dois trouver une voie pour te sortir d'ici. Trouve de nouvelles voies. Les choses ont changé. Mais tu continues de penser qu'elles sont pareilles. J'essaye. Je suis avec les oiseaux. Réfléchis, Amicia. Il est forcément tout près. Oh, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ta nouvelle voix. Pourquoi tu continues à suivre ces oiseaux? Je suis perdue, Hugo.
Je ne sais pas quoi faire. Cet endroit appartient au passé. Quitte-le. Trouve ta propre voie. Donc, il faut que je trouve une voie de sortie. Oui, c'est ça, je pense. Continue. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens... Oh. Je sais que tu es perdue et effrayée, mais je suis là. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je peux te voir. Tu es coincé dans ta tête. C'est dur d'avancer quand on a peur, je sais. Ça va aller. Tu vas y arriver. Oui. Je vais réessayer. Je vais apprendre. Ça doit marcher de la même façon. Il faut que j'y retourne. Une sortie. Je dois trouver cette sortie. C'est ça. Tu y arrives. Tu apprends. Tiens bon. Tiens bon. Non. Ces choses sont tout près. Fais-le cette fois. Appelle-toi. Je te fais rôler ça, ça va. Tu dois être plus rapide. Que tu acceptes ça.
contrôleur que tu as compris. C'est toi. Quelque chose que tu n'as pas déjà tenté. Mets de côté ton ancien toi. Ne sois pas si dur avec toi-même. C'est pas facile, c'est tout. Mais tu vois plus clair maintenant. Tu as appris. Oui, j'irai jusqu'au bout. Je sais. Allez, je dois y retourner. Allez! Vous ne m'aurez plus. Je vais y arriver. Je vais le ramener. Je suis en chemin. Très bien. Arrête de faire les mêmes erreurs. Tu dois aller de l'avant. Mettre fin à ce combat. Tu y es presque, Amicia. J'essaye. C'est juste que... je sens qu'une partie de moi n'est pas prête. C'est toujours comme ça. Changer, ça prend du temps. Je ne te laisserai pas tomber, tu m'entends? Je viens te chercher. Je dois y retourner. Je dois arrêter tout ça. Sois forte. J'arrive, Hugo. Non. Vite. Mais dans les roches, je vais tout. Et maintenant, les rats. J'ai peur. J'ai tellement peur que je trouve pas chez vous. Que je dois les attaquer donc. Il faut que je vais dans les roues. Après, peut-être qu'il faut aller directement sur les roues. J'arrive, Hugo. Attends juste encore un peu. Et maintenant, Léa. Si je marche, je vais faire. J'ai peur. J'ai tellement peur que je trouve pas tout le monde. J'en ai assez de tout ça. Assez de me battre. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. Je suis fière de toi. Où es-tu? Je suis là. Hugo, viens,
aussi. J'ai eu tellement peur. Mais tu y es arrivée. Tu peux marcher? Oui. Tu sais comment sortir d'ici? Oui. Suis-moi. Allons-y. Quittons cet enfer. D'une façon ou d'une autre. Amicia, je croyais que tu étais morte. J'ai vraiment cru. Je sais. J'ai cru que... j'étais tout seule. Alors j'ai fait une bêtise. Hugo, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais c'est une grosse bêtise. Plein de gens meurent maintenant. Je le sais. Et... c'est que le début. Il faut qu'on parte d'ici. On peut encore arrêter ça. Trouvons la maison de mère. Et commençons à vivre. Pour de vrai. Mais... on l'a mérité. Cet endroit me dit quelque chose. La sortie est par là, tout au bout. Bonjour. Ah, c'est le début. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Je vous ai déjà vu. Hé, qu'est-ce qui vous arrive? C'est le garçon! Il l'a tué! Je suis désolée. Tué? Mais quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. Comment? J'y vois aucun rat. C'est la bêtise que j'ai faite. C'est ce que je suis devenue. Ne restons pas là. Viens. On doit arranger ça, Amicia. On va trouver une solution. Mais d'abord, il faut partir d'ici. Oui. Regarde-les. J'aimais tellement cet endroit. Et ces gens... Tu dois arrêter ça! Mais je peux pas! Concentre-toi! Tu l'as déjà fait! Tu as déjà tout oublié! C'est un mensonge! C'est la Macula qui nous joue des tours! Je suis la Macula maintenant! C'est moi! Non! Tu savais que ça pouvait arriver! C'est trop tard! Non, non, non! J'ai laissé la Macula prendre toute la place! Et voilà ce qui se passe! Je sais... On doit faire quelque chose. Il faut empêcher les gens de mourir. Peut-être que si on s'en va, ça s'arrêtera. Hugo, ça peut s'arrêter. Je les mange, Amicia. Pas seulement eux, mais tous les autres aussi. Et toujours plus à mesure que les rats se répandent. Alors, c'est la fin? Pas encore. Il nous reste une chance. La toute dernière. Dis-moi, je ferai n'importe quoi. Je crois que tu le sais déjà. Je... Tu dois m'arrêter. Pour arrêter la Macula. Hugo, tu peux pas me demander ça. Tu es la seule à pouvoir m'empêcher de devenir un monstre. Tu n'es pas un monstre. Je vais le devenir. Si je tue tout ce que j'aime. Toutes les belles choses que tu m'as montrées. Je comprends, mais... S'il te plaît. Je vais essayer. D'accord. Et maintenant, Hugo, où es-tu? Où es-tu? Je suis désolée, mais tu es prête maintenant pour tout sauver. Prête? Comment je pourrais être prête? Je sais, mais je ne peux plus m'arrêter. Il n'y a que toi qui peux le faire. Hugo! Je t'aime. J'ai été heureux avec toi. Au revoir, Amicia. Je t'aime. Je t'aime tellement. Quand tu seras parti, il ne restera plus rien. Je serai seule. Toute seule. Je peux pas. Lucas ?
suis là. Je suis là. Tu peux te lever? Oui. Il est là. Oui. Tu sais ce que tu dois faire? Oui. Amicia, on y est. Je sais. Ok, bon, c'est terminé, non? C'était le chapitre 17, je crois qu'il y avait 17 chapitres, on a 16. Ok, bon, bah voilà, on a terminé le jeu, donc on a fait 16 chapitres sur le jeu complet. Après, je sais pas s'il y aura une suite, puisque le petit garçon il est mort. Alors que dans le 1, le petit garçon n'était pas mort, là il est mort, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'il va en avoir, il va avoir une suite, est-ce que c'est la fin? Là, je ne sais pas. Donc voilà, bah, je vais laisser quand même le générique par respect, parce que beaucoup l'enlèvent, mais par respect par rapport à ceux qui ont fait le jeu, je préfère le laisser. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager tout bleu, et allez, ciao ciao. C'était Jérôme FPS.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.